d'indiscipline. Est-ce qu'on doit priver notre sélection? Un cas d'indiscipline, c'est le fait. On nous parle de l'indiscipline de Ndiaye Kimpo. Je ne vois pas qu'il y ait une indiscipline particulière. En ce moment, il y a un problème de joueurs, ont des moments de rendement. Ce qu'on m'a dit, il était un peu en baisse de forme, y compris durant les matchs de préparation. Mais Ndiaye Kimpo a sa place. Et je pense que beaucoup de Camerounais espèrent en Ndiaye Kimpo. Personnellement, j'espère en Ndiaye Kimpo. Et je voudrais simplement rassurer qu'il n'y a aucune pression politique. Je ne vois pas ce que la politique vient chercher là-dedans. Vraiment, il faut que nous soyons responsables. On ne peut pas, à ce moment-ci, dire qu'il y a une pression politique. Personne ne l'a exercée. Si elle n'est pas de la part de la fédération, on ne voit pas de qui elle serait. L'entraîneur est quand même maître, il est maître de ses choix, de gérer ses effectifs. Nous avons tous le droit de lui faire des observations et on les lui a fait.